Bonjour à tous, c'est Colline, ravie de vous retrouver à Marseille. Aujourd'hui, on parle sport urbain et parcours. Léa Macasi, ça vous dit quelque chose? Le film a fortement contribué à rendre le parcours célèbre en France. Depuis, plusieurs associations ont été créées, dont l'une des plus anciennes est à Marseille. Le parcours, pour faire simple, c'est l'art de se déplacer avec fluidité à travers la ville et ses obstacles. Les gars, on s'endort pas! Allez, c'est parti! Initialement, avant même de parler de parcours, on peut parler de Georges Hébert qui, au début des années 1900, a créé une méthode d'entraînement qui s'appelait la méthode naturelle, qui s'est appliquée en milieu militaire et également à l'école au niveau civil, et qui, au fil du temps, de pratiques multiples, est devenue, fin des années 1980, début des années 1990, une discipline qu'on a appelée le parcours, via David Bell, et qui a formé ensuite les Yamakasi. Autant vous dire qu'à force de les regarder bondir, on a une furieuse envie de les suivre. En tout cas, moi, j'ai prévu les baskets. Vous y avez cru? Malheureusement, je n'ai pas le niveau, car pour en arriver là, ces jeunes s'entraînent plusieurs heures par semaine, depuis 2 à 8 ans, et sont des sportifs aguerris, sans pour autant nier leur propre niveau. En fait, c'est bien d'avoir peur parce que si on n'a pas peur, on fait n'importe quoi. Donc du coup, moi, franchement, j'aimerais avoir toujours peur. Pour comme ça, au moins, dans tout ce que je fais, je réfléchis et je ne prends pas de risques incontrôlés. Ça devient une habitude, on n'a plus peur. Les gens, quand ils te regardent, ils ont peur, mais toi, tu sais ce que tu ressens, tu sais de quoi tu es capable et à fonction de ce que tu sais faire, ben, tu avances. Pour appréhender ce vaste terrain de sport, Parcours 13 a lancé il y a plusieurs années des ateliers en gymnase, une préparation physique qui permet d'éviter chutes et blessures, même si selon Cédric, elles sont plutôt rares. Il compte 5 accidents pour 600 000 personnes touchées à travers les différentes activités de l'association. Allez, c'est parti! C'est parti, c'est parti! C'est un format qui rassure et les parents d'un côté et qui permet aussi aux pratiquants de pouvoir travailler en toute sécurité l'apprentissage de l'ensemble des techniques. Du coup, le milieu gymnique nous permet de reproduire l'ensemble des éléments qu'on retrouve en extérieur, aussi dans le milieu urbain qu'en milieu naturel, sans avoir besoin de se déplacer de spot en spot et le tout de manière sécurisée. Si l'envie vous prend de faire comme eux, n'oubliez pas une seule devise, l'entraînement. Il existe une fédération de parcours en France et plein d'associations à travers le monde. Je vous laisse, je retourne m'entraîner. On est ici à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien. Les djihadistes du groupe État islamique les plus proches sont à grosso modo une heure de voiture. C'est donc l'endroit idéal pour parler de breakdance.